Les jeunes amants, la définition de ces. Le titre, l'explication du titre d'ailleurs, jeunes amants, c'est parce que c'est leur amour qui est jeune, c'est cette aventure qui est. Et, voilà, et en même temps, eux-mêmes redeviennent jeunes aussi, éperdument amoureux l'un de l'autre. Fanny Ardant et Vigodo sont vos invités jusqu'à midi et demi. Ce film est sublime. Je ne sais pas si mademoiselle, madame Karine Tardieu, vous écoutez, mais vraiment, sincèrement, bravo, parce que la direction d'acteurs, le choix des acteurs, le choix des cadres, la lumière est totalement dingue aussi, et j'imagine, je vous dirai après comment vous avez... c'est ta journée, hein, et le producteur Patrick Sobelman a proposé de reprendre le projet, à Karine de reprendre le projet. Et finalement, Karine a réécrit le scénario, se l'est approprié, mais a gardé l'essence et l'histoire originelle qui est une histoire correcte. C'était pas ça ma question. Ma question, non, c'est vraiment. Oui, exactement. Un film un peu romanesque, épique, romantique, presque hollywoodien dans sa peinture. Donc le choix du score, et puis ce dialogue très efficace, ce punchline, chaque personnage est très bien servi en dialogue, et là on a fait beaucoup de plaisir à les dire sur le plateau. Et Karine, vous êtes tous les deux de grands acteurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, ou est-ce que j'exagère en disant que de très bons acteurs peuvent être mauvais dans un film s'ils sont mal dirigés? On voit souvent, hein. Ça vous avez une théorie. Alors, moi, je dis qu'il n'y a pas... Vous avez fait un signe oui de la tête. Mais parce qu'en fait, pour élargir le spectre, je pense qu'il n'y a pas de bons et de mauvais acteurs. Il y a ceux qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas.
mais que c'est complètement subjectif. Oui. C'est quoi ? Quelqu'un en sortant du film peut dire je ne peux pas supporter un tel ou un tel. Il y en a qui jouent faux, qui sonnent faux, qui sont pas à l'écoute de leur partenaire. Il y en a qui vont les trouver sur les ceux qui surjouent. Enfin, il y a le même temps. Non, mais c'est plutôt vrai ce que vous dites au théâtre plutôt qu'au cinéma. Pour le faire surjouer, oui, mais. Non, c'est au cinéma. Mauvais dans certains films et excellent dans d'autres. Donc je me demandais d'où venait cette différence de qualité de jeu et je me demandais si c'était pas simplement le moment où on est bien dirigé ou pas bien dirigé. C'est ça, Daniel Auteuil. Il y a des films dans lesquels on se sent à l'aise aussi, des tournages sur lesquels on se sent à l'aise, des metteurs en scène avec qui on est bien et puis des partenaires aussi avec qui ça joue bien. Il y a des situations où effectivement ça grippe un peu parce qu'on n'y croit pas nous-mêmes sur le tournage. Et le texte que vous allez parfois défendre, parfois on a des films où on dit cette partition elle est quand même horrible, comment faire pour sortir quelque chose de recevable. Les acteurs qui tournent trop aussi, parce qu'à force de tourner, au bout d'un moment ils ne peuvent pas faire que des bons films et quand ils se retrouvent dans des films qu'ils n'aiment pas, ils n'ont plus leur métier, évidemment ils baissent les bras et ils ne sont plus vraiment là. Quoi. C'est ça qui est d'acteurs qui tournent. Les jeunes amants, ce mercredi au cinéma, demain, un dodo, et vous pourrez voir ce film avec Fanny Ardant, Mary Bobo qui sont nos invités jusqu'à midi et demi, on est ravis de les accueillir. C'est notre bruiteuse qui va maintenant exactement ce qu'elle pense. Nous, on vous adore, mais ce n'est pas le cas de mon frère. Merci la vie d'être le 1er février. Hein, on se réjouit un peu que ce mois de janvier 2022 soit terminé à jamais. Moi, ça commence à suffire, les galettes des rois. On est un peu déçus que la fête, ça soit par Mitradol. Donc, merci. Fanny, Melville, merci aussi pour le film, parce qu'enfin, c'est dans ce sens-là. Je ne dis pas qu'il y a de bon sens dans l'amour. Hein. Si vous observez bien, quand on tombe amoureux, c'est jamais le moment. C'est jamais l'endroit. C'est jamais la bonne personne. Et dans mon cas, c'est jamais réciproque. Alors, non, mais je pleure pas sur mon sort. Hein. Parfois, il y a quelqu'un qui est amoureux de moi. Et moi, je suis là, un Bermuda, mec. Sérieusement, tu veux m'offrir le monde. Tu peux même pas t'offrir un pantalon en entier. De quoi parle-t-on? Bref, parfois, c'est quelqu'un de trop jeune ou de trop vieux ou de trop enclin à vous faire souffrir. Bon, là, on se concentre sur la différence d'âge. Et enfin, elle est dans ce sens-là parce que la jeune nana qui tombe amoureuse d'un mec plus vieux, on en a soupé, mes enfants, et dire on en a soupé, mes enfants, prouve que je n'avais pas du tout dans le groupe des jeunes nanas, mais plutôt dans le groupe des mecs plus vieux. Et c'est vrai qu'on en a entendu prononcer dans la vie, dans la fiction, des il va quitter sa femme, là c'est pas facile pour lui, ses enfants sont petits, il n'est pas vieux, il a de l'expérience, l'amour rend aveugle. Le gars, en plus d'avoir des excuses en carton, il a une hanche en plastique, c'est plus un mec, c'est un emballage de resto chinois, mais accroché carrément. Après, en vrai, moi je suis pas totalement contre la différence d'âge, quand il s'agit de l'amour, je suis contre rien. Même pas contre quelqu'un. Dire que c'est hyper long. Non mais chacun fait bien ce qu'il veut et se fait bien ce qui lui chante dans sa vie. Moi si j'arrive demain amoureuse d'un mec plus vieux en disant ma mère, maman, voici Patrick Modiano, je l'aime, elle sera contente pour moi. Ma chérie, voici un homme qui ne te fuira pas parce qu'il en est physiquement plus vraiment capable. Le truc, c'est que quand la vie devient œuvre de fiction, pourquoi les représentations des gens qui s'aiment sont-elles toujours un peu les mêmes? Dans le cinéma, souvent, une femme de plus de 40 ans, elle tombe pas vraiment amoureuse. Ou alors si, mais c'est parce qu'elle est en pleine crise de la cinquantaine et qu'elle refoute tous les doutes sur son mariage sur un peu du coin de la rue qui fume des joints, probablement joué par Vincent Lacoste. Mais l'histoire ne dure pas. On dit que c'est une façade, qu'elle a eu un mauvais événement. Parce que c'est plus simple de qualifier les grands chamboulements de moments d'égarement. Et t'as les enfants là, c'est un immense bordel. Et là, grâce à la magie de Karine Pardieu, tiens donc une femme. Et le champ des possibles, il y en prend 10 hectares en 1h50. Votre personnage, Fanny, 70 ans. Donc le personnage lumineux comme qu'elle dit au mois d'août, cette femme qu'on peut pas regarder sans prendre le risque de se cramer dans la rétine ou en elle est désirable, elle a pas peur et votre personnage il s'est bien cramé la rétine mais il arrive encore à voir que derrière un homme de 45 ans et une femme de 70, il y a surtout un homme et une femme tout simplement. Mais je pense que Blanc qui a déjà fait un truc là-dessus. Il n'y a pas c'est mois de janvier qui se termine, ça donne envie de vous dire allez au cinéma, aimez-vous dans n'importe quel sens puisque de toute façon la vie n'en a absolument aucun. Et de dire c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme. Après, il y a évidemment les circonstances, le contexte, mais cette différence d'âge était évidemment au cœur du film, en y rajoutant le regard des autres et l'interprétation des autres. Vas-y, Nagui ! Un état de faire couper à... Ouais, c'est la voix de la fille, parce qu'elle ne peut pas comprendre
qu'elle ne peut pas. Et elle dit, pardon, elle n'est pas totalement quittée, parce que même si le couple est là, c'est ça. Elle rit, puisqu'elle est sa vieille dame. Elle rit, c'est-à-dire, c'est extrêmement méchant quand on le formule comme ça. On parle de vase, alors. Ce qui est dommage, c'est que cette histoire a des répercussions sur tous les autres personnages. Et tout le monde est chamboulé et se remet en cause, parce que tout d'un coup, il y a une liberté, extraordinaire qui se passe. Et ça remet tout le monde en perspective, notamment Cécile de France qui pense qu'éventuellement elle pourrait parler à son mari une nuit ou deux. Produit par la police française. Tout à coup elle se sent challengée, elle se dit mais c'est pas possible. Challenger! Le vrai amour. Elle se sent bien d'amour que nous on n'a pas eu. Est-ce qu'elle se sent challengée? Soit une vieille dame comme elle le dit, ça la trouble, ça la choque. Voilà. Ça a mis Georges dans le film. Oh, parce que les gens sont stupides, les gens n'ont pas d'imagination. Ah bah ça. Et pense parce que la société dit donner, ça, que forcément un mec, ça fait une petite jeune, mais c'est complètement con. Ghost in the Beach. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça non plus, les émissions continuent à dire, oui, j'ai pris un fréquent, j'avais toujours compris que les films là-dessus, bah, les choses sont les films, c'est une chose, mais la réalité, c'en est une autre, en fait. C'est c'est intéressant que le cinéma prenne les devants, d'une certaine façon, en montrant autre chose. Allez plus haut! Ça peut éventuellement donner des idées, mais. Est-ce qu'on pense que le cinéma peut changer? J'en ai quelques preuves, ouais. Bon, bah, ça. Bah, j'avais fait une Quand même! Mais c'est pas le but du cinéma. Le parti socialiste, il y avait beaucoup. La bouffonnerie. Tu l'avais dit. Merci. Et on les entend plus qu'à la radio, ceux-là. Alors que vous, vous dites que le cinéma est fait pour raconter des histoires. Chacun fait ce qu'il veut. Non, je n'aime pas l'idée que le cinéma deviendrait pour transformer les citoyens en bons citoyens. Ça m'exaspère, ça. Parce que je suis exaspéré. C'est pas le but ni de la littérature, ni du théâtre, ni du cinéma. C'est parce qu'ils sont du cinéma, voilà. C'est pas faire qu'on doit bien penser. J'entends, mais montrer autre chose peut ouvrir l'esprit et peut... Ah, voilà. Mais... bousculer les esprits et d'ouvrir le cœur. Ce que j'ai ressenti dans ce film, c'est que c'est un film qui raconte la force des femmes entre elles. Parce que qu'elles soient choisies, pas choisies, trompées, c'est les trois rencontres, c'est une histoire. C'est une histoire
c'est bien mon droit de tout déterminer, en tout cas, quand tout le monde est d'accord, ça prend une dimension, une passion absolument bouleversante, et c'est formidablement réalisé par Karine Tardieu. On va continuer d'en parler jusqu'à midi. Voici Monsieur Bonnuel. Bonjour les nanos, Daniel, bonjour tout le monde, ça va, est-ce que tout le monde l'a vu? Oui, c'est tu l'as vu, ouais. Bah, ça va, juste j'ai pris conscience récemment que l'amour à Paris c'était une notion quelque peu approximative, parce que hier soir je rentrais de tournée, je suis en tournée en ce moment dans des grandes métropoles telles que Bourgoin, Jallieu, Calais et Châteauneuf-sur-Lozère, qui sont les versions vintage de Grenoble, Lyon et Valence, c'est comme quand tu commandes un câble sur Amazon en pensant que c'est un câble d'Apple, et en fait tu reçois un câble Pineapple, sur lequel le logo c'est pas une pomme, c'est un ananas dans lequel on déjà trouvé les deux personnes. Je rentre chez moi après cette année internationale en disant voler ma valise sur le sol, perdu dans mes pensées en train de me demander pourquoi il n'y a que 28 jours en février. Et là, soudainement, j'entends la douce voix de mon concierge qui m'interpelle et me dit très gentiment, je cite, tu peux pas l'apporter ta valise, connard. Ah oui. Et déjà sur le moment, je me suis dit, alors lui, c'est sûr que les 4 consultés, bah, il les a pas lus. Parce que si loin que je me souvienne, hein, c'était son prochain, ça ne fait pas partie des 4. Hein, et ne pas faire de suppositions pour le coup, c'est raté. Sauf que je crois qu'en 20 mois dans la vie, j'essaie de dire si quelque chose de bien, il va t'arriver quelque chose de bien. Donc là, il y a également mon client. Est-ce que j'ai vraiment fait un si mauvais spectacle que ça, la fameuse solitude? Bébé. Toi, l'oiseau qui est au vol dans ma rue, ne veux surtout pas choisir Francis Lalanne, tu te détestes maintenant. Parce qu'il y a plus que l'animal, il y a le tradical. Le tradical. Le tradital. Le radiotal, le fond d'étal, le fond d'étal, ça va être bien. Alors comme ça, ils foutent le camp de les hôpitaux. Eh ben, il était temps, mon cher ami, que tu te barres par ici. Il était temps, ma poule, que tu rattrapes poule, pan, 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 cucu, pan, pan, cucu, la, ta, ta, vois-tu, là, là. Ah, je fais du bobine à poil. Attention, bobine la pointée. Sérieux, tu viens, poule, donne-moi ta soupe, j'en veux pas. Venez vers moi, mon gars, venez vers moi. J'en ai pas droit. Je paye bien ton train. Tu fous la paix du barman. Il m'a quand même perdu dans ce précédent film, ouais. c'est sa naturelle. Et là, spécialement, il a envie que cette histoire intime soit manipulée en bigger than life, comme on dit, donc les nuits américaines, les retrouvailles sous la pluie, les séparations, les grands voyages, avec une lumière formidable qui est, je cherchais... Formidable! Vous êtes en formidable, vous êtes formidable, on rentre dans un costume, on rentre dans une situation, mais là c'est votre peau. On a avec besoin aussi pour des plans
de mains, des plans de corps, des plans de dos, c'est-à-dire que la caméra vous aime et vous caresse, vous touche. Donc ça, il faut l'accepter aussi. Elle est partie aux toilettes. Parce que vous êtes violent, c'est on vous l'a si peu proposé, je vous dis, mais c'est formidable de me donner ça. Non, 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 j'ai pas conscience ça. Bon, Fanny, on est toujours en dehors de sa peau, finalement. Mais soi, c'est ce que les autres voient. Donc moi, je jouais cette femme qui tombait amoureuse de cet homme que j'aime et avec tous les sentiments intérieurs de la lucidité de mon corps et tout. Après, Karine et sa caméra, on faisait ce qu'elle voulait. Ça va, tu l'as eu ta réponse. Très bien. Ça va, ça vous va quand même. On va le commenter à simuler. Cette même gêne qu'il peut y avoir, cette forme de chez une adolescente qui fait l'amour pour la première fois, de ne pas vouloir qu'il admire, de ne pas vouloir qu'on... qu'il est voilà, je ne sais pas quoi dire. Ces mots-là pourraient être amenés vers de jeunes adolescents qui l'amour pour la première fois. Or là, cette gêne, cette pudeur, vous l'avez parce qu'on est avec une dame de 70 ans et qu'elle ne rend peut-être pas que l'homme la voit aussi immédiatement en pleine lumière. Complètement. C'est pour ça qu'elle donne ce titre, Karine, les jeunes amants. C'est-à-dire tout recommence comme au début. Donc, comme je l'ai dit, ce que j'aime dans Shona, c'est qu'elle est très lucide. Et que ce n'est pas une sélectrice. C'est pas quelqu'un qui croit que... Donc, et le corps est entraîné par le cœur. Elle a même peur de ne plus savoir faire l'amour. Oui, tellement longtemps qu'elle a pu faire l'amour, mais c'est sympa, elle est plus avidie d'ailleurs. Elle est avidie. Et lui, il a beaucoup de mots. Oui, il répond à tout ça. Donc, en fait, dans le scénario, c'est très honnête. Tout est dit. C'est pas juste comme ça, une petite blush. Tout est dit sur le corps, sur la peau, sur le sexe. Donc, curieusement, vous me demandez ça à moi, mais comme je ne regarde pas les films que je tourne, je n'avais besoin que de me préoccuper de ce qui m'animait dans mon cœur. Les jeunes amants, l'histoire de l'amour, c'est signé Karine Tardieu. On va continuer de parler évidemment avec vous de ce film, parler de la musique également, puis on reviendra avec Catherine Brandon. C'est bien produit. Pareil que toi. C'est clair.
très fort, il parlait de nous, il parlait de tout, hein, de tout ce qui était interdit de dire. J'ai l'impression que t'avais l'air d'être un jour secret en fait. Je sais pas, mais il t'en prend pas. J'ai eu 15 minutes. Si c'est vrai, on verra pas. Mais sur la sensation, il ne montrera pas avec cette façon. On revient à l'année 83, c'est-à-dire donc, on vous retrouve à l'affiche d'un film d'Alain René, La vie est un roman. Vous avez tenu trois films avec Alain René, L'amour à mort et Mélo également. Vous dites. Oh, God.
Bon, en tout cas, je vais faire un putain de voyage sur mon YouTube, je pense. Je pense à bien faire, parce que... Avec mon frère,
sont nous trois on enregistre un nouveau disque qui s'appelle Los Popos, parce qu'on a un des frères qui fait aussi la guitare, donc on va se faire ce truc. Non, finalement, c'est dans votre ADN, je crois. Mais 97, c'est la rencontre avec Romer, en effet, qui jouait du piano, vous jouiez de la guitare, qui vous faisait prononcer votre texte, parce que je crois que vous considérez que vous ne parliez pas suffisamment, de façon suffisamment audible. Il avait peur, comme c'était un film qu'on allait tourner sur des plages bombées au mois de juillet à Dinard, sans micro-cravate, mais avec une perche et tout ça, beaucoup de monde, le bruit de la mer, et puis souvent en maillot de bain. Il avait peur qu'on n'entende pas la voix des acteurs dans ces conditions-là. Du coup, il m'avait fait répéter mon texte pendant qu'il était parti dans la cuisine faire bouillir de l'eau en mettant la radio à fond. Et il a vu que j'étais capable de bugger son texte. Nous allons continuer de revenir sur Les Jeunes Amants, le film de Karine Tardieu, avec vous, Catherine Grangeard. Merci de venir à ce micro. Vous êtes psychanalyste et psychosociologue. Oh. Vous avez écrit un livre qui est la question. La réponse à la question n'est pas là pour dire. Tu n'es jamais su, t'es pas du tout. Ah, il n'y a pas de point d'interrogation. Non, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de doute. Et la suite, c'est la retraite sexuelle n'aura pas lieu. Le livre est né parce qu'il y avait une des propos disant qu'à partir de 50 ans, une femme était non désirable. Et donc, en tant que psychanalyste. C'est une personne qui doit échapper. Cette personne n'avait pas été démentie par beaucoup d'autres. Et donc, en tant que psychanalyste, dans mon cabinet, moi, j'entends ce que ça a produit. Et donc, des personnes, des femmes complexées, pleurantes, etc., etc. Il y a aussi dans la société énormément de choses qui circulent. Un film comme le vôtre va être un modèle d'identification et donc c'est extrêmement intéressant pour faire bouger des problèmes. Alors justement, ce nouveau discours de dire et de l'exprimer clairement, il n'y a pas d'âge pour jouir, très bien, on s'en rend compte dans le film. Est-ce que c'est d'abord l'entourage qui pose un problème, le regard des autres? Il y a l'entourage, mais il y a aussi ce qu'on en pense soi-même. Par exemple, Fanny, vous étiez plus gênée dans le film. Et il y a quelque chose que nous avons, je veux dire, aussi introjecté. Nous avons, à force d'entendre les choses, on le croit, nous avons une vraie prison. Donc c'est tout ça qu'il s'agit d'interroger, qu'il s'agit, au-delà de l'opinion, au-delà de l'affirmation peut-être de la thèse ou militante, de repérer ce qui fonctionne dans une société et ce qui peut limiter. Alors, je suis psychanalyste, je vais faire très rapidement quelques mots d'Oedipe. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas plus de gens qui avaient des amants extrêmement âgés, ou alors des femmes qui choisissaient plus d'hommes très très âgés. Parce que nos premiers objets d'amour, ce sont nos parents. Il y a une génération d'écart. C'est un amour inconditionnel, sans eux. Elle avait dit quoi, Troyes, hein, je produis plus ma femme pour. Elle n'avait pas ce que ça rentrait. Donc c'est transfert. La police, hein, la police. Ça peut interroger pourquoi et la société. Alors, j'ai très très vite en la tête. Mais non, mais la société a des tabous. Ça sert à ça, les tabous. À ne pas enfreindre, vous connaissez l'histoire de Oedipe, hein, Sophocle, Freud le reprend, etc. Pourquoi ça marche depuis l'Antiquité? C'est probablement dans nos inconscients, il y a quelque chose d'inscrit comme ça. Alors le tabou, ça sert à se protéger, parce que ça finit mal quand même l'histoire. Oui, enfin, le tabou, c'est de ne pas coucher avec sa mère, c'est pas forcément la différence. Pas que, et tu es aussi son père. Évidemment, est-ce que justement on parle de l'image et vous dites que le film va faire du bien, est-ce que l'image du couple présidentiel a fait du bien? Génial. J'ai des patients qui me disent, moi ce que je préfère chez Macron, c'est Paris. Et ce modèle à l'étranger, qui est complètement différent des autres. Oh là, citerai personne. Là, tu l'as tellement eu, différent. Là, elle a eu ma compte. Parce que du coup, nous représentons autre chose. Et Brigitte est très investie quand on a beaucoup de personnes. Alors au début, ils ont été moqués, bien sûr, puisqu'on est différent. Puisque ça fait peur. Et en fait, les autres ne sont pas les autres. C'est quelque chose qui est notable. L'homme, vous savez, c'est à la fois ce
qui est statistiquement le plus répandu est un terme non pathologique. Donc c'est dangereux ce mot de norme. C'est dangereux parce que dès que vous n'êtes pas exactement dans la vague, on peut penser que vous êtes dangereux. Donc voilà, c'est tout ça qui me fait dire que oui, tant mieux. Que oui, les amants, ce sont des modèles identifiés, ça par contre, cet homme qui ose Je me rappelle, sa femme est venue à la maison et il voulait qu'on vote Benoît Hamon. Parce qu'en fait, le mec, Benoît Hamon. Ouais, pourquoi déjà? Parce qu'en fait, c'est égalisé la drogue. C'est ça. Quelques temps en arrière. Je lui dis, mais attends, moi je ne drogue pas, moi. Je mets des trucs de travail de ton sac, je ne drogue pas, moi. Ah, ah bon? Ah bon? Ouais, pourquoi tu me racontes ça? Ouais, des fois, pour la vue, je ne voudrais rien écouter et pas écouter pas plus ça. Il n'y a pas de truc dangereux, en fait, finalement. Faut s'en référer à ses goûts, quoi. Les goûts et les couleurs, là, je ne sais pas, ça, je ne pas les bonheurs, je ne sais pas les goûts. Un peu de publicité, c'est ça. Il y a un peu plus, là. C'est un des suites de Douairie, grosse promotion sur le linge de maison, un parfum d'exotisme, une passion soudaine et irrésistible. Et quelques meurtres. Le Grand Monde, le nouveau grand roman de Pierre Lemaître, aux éditions Calmann. France Inter, M. Le 46e printemps de bourse crédit mutuel du 19 au 24 février. Ah, le printemps de bourse, moi. Le printemps de bourse. Le printemps de bourse. Le printemps de Bourges. Crédit mutuel, une banque qui parlait. Bientôt peut-être mon crédit à pour la peine. Oh, je veux pas une bagnole trop. C'est un truc 4 chevaux là, avec une petite action sur un volant. Pas trop de l'élection. Ah. Les deux corpéas, la semaine dernière, les choses se sont accélérées. Un patron limogé, son successeur convoqué, et ce matin, sur France Inter, au micro de Léa Salamé, Brigitte Bourguignon, la ministre de l'Éducation chargée de l'économie, elle annonce qu'il y a plus de l'économie. C'est tout le groupe que nous avons interrogé, et nous lançons, je vous le dis, une enquête EGAS, qui est un organisme indépendant, et une enquête aussi financière entre l'IGF, donc c'est une première, parce qu'il faut taper fort, attends, bien montrer qu'on ne fait pas n'importe quoi dans ce pays, dans une activité qui est lucrative, mais qui ne doit pas être lucrative au détriment de la bienfaitance. Donc vous lancez une double enquête sur tout le groupe Orpea, une enquête administrative et une enquête financière, pour essayer de comprendre comment ça se passe dans ce groupe-là. Et de plus, toutes les ARS iront voir tous les établissements de ce groupe. Brigitte Bourguignon qui a aussi confirmé l'information patron d'Orpea lors de son rendez-vous ce matin. Dans un communiqué paru il y a quelques minutes, la ministre ajoute qu'elle va consulter aussi dans les prochains jours les représentants des familles, les élus départementaux, les partenaires sociaux et les acteurs du secteur. Des contrôles inopinés auront lieu et d'ici la fin du mois, le gouvernement présentera les évolutions à mettre en œuvre. De son côté, le nouveau patron d'Orpea s'est montré attentif. Nous sommes très heureux d'avoir ces inspections et ces contrôles. Il est montré aussi offensif, Philippe Charrier promet la transparence, mais il dénonce en même temps des accusations qui, selon lui, ne correspondent absolument pas à la réalité de la vie de ces établissements. Orpea va-t-il engager des procédures judiciaires? Nous irons jusqu'au bout. Nous n'accepterons pas qu'une société comme la nôtre, qui essaie de faire le meilleur au quotidien pour les résidents et les collaborateurs, soit accusée de cette manière. On en reparle tout à l'heure
dans le journal de 13h. Les violences sexuelles et les homicides liés aux affaires de stupéfiants ont augmenté à Paris et dans les départements de la petite couronne l'an dernier, plus 25% par rapport à 2019, période de référence avant Covid, selon les chiffres donnés par la préfecture de police de Paris aujourd'hui. C'est présent plus de 8800 faits recensés. Cette hausse significative s'explique en partie par la libération de la parole des femmes concernant les violences conjugales. C'est une avancée. Et l'autre avancée, selon l'association Lawyer for Women, c'est un décret qui oblige désormais les autorités à informer les victimes de violences de la sortie de prison d'un ex-conjoint violent. Michèle Dayan, avocate et la présidente de Lawyer for Women. Ces femmes-là, elles ont été pendant des années dans une menace constante. Elles étaient colonisées par la peur d'où le coup va-t-il venir. Et le fait de ne pas savoir quand il va sortir de prison, c'est une angoisse terrifiante. Et une urgence supplémentaire. Supplémentaire. Et donc, elles vont pouvoir aussi prendre leurs dispositions. Déjà, on se prépare mentalement. Et puis, on peut décider de se réfugier chez un ami, dans la famille, n'importe où. On peut se réfugier avec ses enfants. Et elles peuvent prendre leur téléphone en danger, à danger. Et puis, il faut savoir aussi que ça permet pour nous, avocats, de faire en sorte qu'il n'y ait aucune vacance dans la protection, pas d'interruption de la protection. C'est-à-dire, on sait qu'il sort, par exemple, il n'y avait pas d'ordonnance de protection parce qu'il était en prison, donc il n'y avait pas d'interdiction d'approcher nécessaire à ce moment-là. Tout de suite anticiper, saisir un mise à la familiale pour que les mesures soient prises, pour qu'à sa sortie, les choses soient en place pour la protection de la femme et éventuellement des enfants. Michèle Dayan, chez nos confrères de France Info. 1400 chercheurs prennent la plume aujourd'hui pour interpeller les candidats à la présidentielle. S'ils reconnaissent les propositions au sein des différents programmes, sur le site de nos confrères de France Info, ils disent s'inquiéter de l'absence de débat démocratique sur le climat et la biodiversité dans la campagne. Les défis qui nous attendent incluent la diminution des émissions de gaz à effet de serre et la préservation du vivant, mais ils portent aussi, selon ces chercheurs, sur la nature et leur rythme de l'adaptation. Ces défis concernent de multiples secteurs économiques de la vie des Français, encore faut-il que ces citoyens puissent décider en leur âme et conscience, d'où la nécessité d'en débattre, disent les chercheurs, parmi lesquels on retrouve la climatologue Valérie Masson-Delmotte ou encore le président du Conseil scientifique du Muséum national d'histoire naturelle, Luc Abadi. Andorre, magnitude 4,5, il n'y a pas de dégâts. Un mot du 13-14, tout à l'heure, ce sera avec Marion Lourd. Dans la deuxième partie, on s'intéressera aux travailleurs essentiels avec Christine Herel. Elle dirige le Centre d'études de l'emploi et du travail, elle est professeure aussi au CNAM. Salaire, primes, conditions de travail, les promesses du début de la crise sanitaire ont-elles été tenues? Vos questions et vos remarques, elles sont consignées 0145-24-7000 au standard ou sur franceinter.fr. Vous cliquez sur l'onglet Réagir. Il est encore une journée sur Inter. Aujourd'hui sur France Inter, il est pouvoir, alors attention. Alors comme ça, la terre a tremblé du côté de Pas de la Case d'Andorre. C'est un mal de lien entre les hommes. Ah, c'est qu'il y a trop de personnes qui ne sont pas des gens qui parlent des hommes. Il y a encore
Il a déclaré, j'en prends bonne note. Waouh, ça c'est cinglant.
malgré cette démonstration de force incroyable, Jean-Yves Le Drian n'est pas mon héros. Non, mon héros. Eh bien, monsieur, n'est-ce pas que 2m04, dont la force est qualifiée d'Herculéenne, mais qui malheureusement a du mal à maîtriser ses nerfs. Il est en effet habitué à la détention, à l'hôpital psychiatrique. Alors concrètement, il fait quoi, monsieur B? Eh bien, quand il n'est pas content, il casse le mobilier, il tape le personnel. Une fois dans la rue, il est monté dans un bus, il a pulvérisé tout l'intérieur. Il est arrivé de la retourner la voiture des policiers. Encore, il a fait une intervention de 19 personnes. Ça m'arvelle? Eh bien, presque. Là, il a ça m'arvelle. De la conception à l'appel. Réaction. 14 arrêts maladie demandés et un appel à la grève, mais ce monsieur il faut absolument qu'on l'aide à utiliser ses points forts. Et pour ce faire, il est à minuit passé de 14 minutes précises. Je vais en appeler. Ça va m'a dit, je suis pas au président. Vous avez constaté, Nagui refuse de répondre à la question. Pourriez-vous tomber amoureux de votre mère? Mais vous avez constaté aussi que le sujet de l'insécurité est un sujet majeur en ce moment. Comme le rappelle tous les jours le rédacteur en chef de cette émission, Jean-Baptiste Pétain, il faut une France plus sévère, une justice plus stricte. Il faut lui en mettre plein la gueule à la raquette avant Jean Carger, sortons les gourmands. Monsieur le Président, si vous voulez reprendre en main le dossier de la sécurité, nommé comme ministre de l'Intérieur, Monsieur D. Oui, avec Monsieur D, plus de manif déborde. Monsieur D, il utilisera des canons à eau pour disperser la foule, mais sans utiliser l'eau, il jettera les canons. Croyez-moi, ça va tomber le plus fougueux. Monsieur le Président, c'est une occasion qu'il ne faut pas laisser passer. Non. La France a bien fait de la place à Mister Cocktail, elle est prête pour ça. Ça va alors, Monsieur D, il faut. Merci, très bien. Ouais, pas mal. Je suis déjà amoureux. Je veux la mettre? Non, je ne veux pas. Non, pas. Non, 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 mais c'est la bonne. Non, pas. Non, 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 je pense que mon personnage aime aussi sa femme, mais il est très attaché, c'est un beau couple, il est malheureux lui-même de voir que ça s'effondre. Mais c'est plus fort que lui, c'est la vraie passion. C'est lui qui part. Ah, il veut voir. Le gouvernement a créé quelque chose pour lutter contre la crise du Covid. Et voilà le monde. C'est à dire qu'on pourrait être né nul. Un fonds solide d'aide, oui, qui se fait échanger. On va dire plein de trucs sur l'Irlande. Il y a quelques années, quand j'ai commencé le film, là, la Marseillaise, c'est raciste. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire de quoi? Vous pouvez pas la faire en tout. Ça marche. Et mon truc, il était raciste. Sans raison. Et le mec, c'est tout de l'Irlande. Il dit, mais attendez, moi j'ai un bon truc pour les vues. Vous pouvez les acheter. Vous occupez pas du chat là-haut, faut que tu pleures. C'est un bébé qui est terriblement. C'est terrible, hein? C'est terrible, tu veux les chats. Je vais se proposer. Ma vieille chatte. Ouais, il avait dit quoi? Je rappelle plus, hein. Ah ouais, pour moi, je t'ai dit. Un filo, un filo. Ouais, c'est un filo. Le filo, bon, non. Ah ouais. Bon, c'est pas le compte, hein.
Derrière, en dessous de 60 balles, moi je bosse pas. Quand même, petite idée derrière la tête. Mon psychiatre il gagne toutes les 20 minutes 70 euros. Ça fait que toutes les heures, le psychiatre se gagne 140 plus la moitié de. Bon, bah ouais, il y a souvent plus vite en l'air. 140 plus 35. Il gagne 175 euros de l'heure. Il fait 10 patients dans la journée. Il gagne 1700 euros. Non, il fait 700 euros dans la journée. 700. Je me demande, moi, qu'est-ce qui m'empêcherait de penser que je voudrais pas, par hasard, 60 balles de l'heure au commencement de mon boulot. Ouais, en plus, quelqu'un de diplômé. Oui, oui. J'ai des diplômes. Bah, aussi, ça, ça paraît, ça. La baguette de pain était à 30 centimes, il me semble.
elle n'était pas du tout à 1 euro, plus 1 euro. Et maintenant, nous prenons tout, on les met à 7 francs, 8 francs, là, ça pourra pas avoir pas trop été augmenté au niveau des pensions, pas trop été augmenté au niveau de salaire de travailleurs. En fait, c'est la valeur de l'euro qui a bleuré tout le monde. Et si on compte 1 euro, bah, on dit 1 euro, c'est rien. Quand même, c'est 7 francs. C'est pas rien. Moi, les histoires de 60 euros de l'or, à l'époque où on vit vers l'heure actuelle, c'est pas beaucoup. Il a pu être augmenté en tout temps. Exemple, les cigarettes, hein. C'était 3,45 euros les paquets de sandwichs. 2,80 euros. Voilà, maintenant tu arrives à un truc par un milieu à 20 euros. Pour les autres. La première explication, c'est qu'il y a trop de cancer, trop de contact. Trop de cancer, trop de contact. Voilà. Et les plus bas, on va voir. Voilà. 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 Là, ce que vous venez d'entendre, c'est une politique qui vient de sortir. Ça, c'est absolument pas le rôle. Il parle même de leur mettre du bruit, parce que sinon, on les voit pas arriver. On traverse la queue à la rue. Ça va arriver, ce style de marche. Je l'entends pas arriver. Ça, c'est pas le bruit. Quand je vois les voitures sont plus suffisamment plus loin. Et au passant, voilà. Apparaître pour les voitures, les automobiles. On leur met de lourdes amendes. En France, c'est pas. Appel, tu dépasses 335 euros d'amende. Alors qu'avant, t'avais un barème. Des barèmes. Donc on a cassé les barèmes. On vient de casser les barèmes. On vient de péter les barèmes. Enfin, les gens, ils se retrouvent pas de chaque étape. Pour enfouer les caisses, quoi. Rapide, qui en demande, là. À ceux qui sont en action, qui les font. Alors d'un côté, bah, je comprends qu'il y a des gens qui sont dans la rue, quoi. Il part au boulot, le gars, il a déjà 3 amendes. Puis, bon, il est en retard, cela, il perd bien. Mais là, il y a un problème. Il a perdu, peut-être plus rapidement que le jour. Et tout le monde est là en train de se regarder comme des queues de paix, des redommages. C'est normal. Enfin, c'est un fou qui dit ça. Moi, j'ai inventé plus mal parce que bon, je suis un côté autiste. Hein, bien. Je sens un peu que j'en tiens peu. Mon idée, c'est moi je viens en Rhein-Main. Et de Sylvain et comme tout. Bon, pourquoi pas final, c'est ça. Thank you.
le 1er février. On apprend encore des choses à la télé, surprise. Moi, quand j'étais en psychiatrie, bah, ça m'a surpris. Et ces gens-là, ils voient le secteur médical, ça se prend. On ne dira jamais, pourquoi ils vont le faire. Ouais, parce qu'on n'a pas à savoir plus un grand. Ou déjà, ça m'a surpris que c'est le même texte. Normalement, je vous dis ça, ça se voit, qu'il y a pas là. Les gens ne sont pas surpris de ces informations-là, ils amènent à tout. Peut-être qu'ils regardent la télévision, ils se disent pas, j'ai des lettres. Comme on peut dire à la radio, ils se rendent la gueule à la télé, pareil. C'est bon, les gens, ils en vont. Vous voyez, les informations, on va passer. Alors, parce que le président de la presse ne voulait pas d'informations. Il n'y a pas à dire les informations. C'est quoi d'ailleurs? Et le pire de tout, c'est qu'il n'y a pas de confiance. Le dimanche, il n'y a pas de confiance. Je pense que l'information pour que bourrer le train, ouais, au départ, hein, pour le train, à la fin, c'est un coup, elle est bah, tiens, bah, on va prendre plus fort, si tu vois. Ah, peut-être des gens qui se passent. On leur a bourré le train. On a peut-être des ceux-là. Ouais. Donc, l'information, ça alimente. Par contre, quand tu te retrouves dans un cinéma, en dehors de la salle de cinéma, la salle un peu dans la salle de cinéma. Là où c'est du monde, la salle de cinéma. Là où il y a un format là-bas. Là qu'on a les corps.
Ça s'est couvert le feu de cul.
Viens, Albert. Et reviens-nous vivants. Tellement de chauffards. Hein. Dans la même double, enfin de ta gueule. C'est pour ça aussi qu'il y a des limitations à 50, 30, 20. Les gens y pensent, ils y pensent pas. Pour moi, c'est toujours sur la petite proportionnalité que l'État travaille, j'ai l'impression. Si on compte bien, il y a plus de conducteurs qui se tapent pas la gueule que de conducteurs qui se tapent la gueule. C'est comme le corona. J'avais dit ma voisine, la proportionnalité. C'est pas tort. On joue sur des petits... des petits scores, on joue sur ça, ouais. On fout des bonnes patates d'amande. Ouais, bon. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est le petit FTF.
ans avec ça. Un peu vrai. C'est gentil, c'est des blagues. Solide. On pourra pas qu'on est sur seul. Je vais arrêter la porte à pas de solide. Bon. Ceci, si tu donnes la parenthèse, d'avoir pu avoir la mention légale de dire que si c'est le seul. C'est pas une mention, hein, que c'est le seul. Si on les veut plus, c'est là. C'est pas compliqué. Bon, on va les veut plus. Madame, bonjour. C'est cher un véhicule comme ça. C'est cher, bonjour madame. C'est cher un véhicule comme ça. Ouais, bah, il en existe encore. Hein. Ah ouais, c'est fou. Hein. C'est essence ou diesel? Il y a essence ou diesel? Est-ce qu'il est essence ou diesel? C'est essence ou diesel? À gaz peut-être. Il y a gaz, essence ou diesel? Non, diesel. Ah ouais, diesel, c'est bon. Ça va loin. Bonne journée, madame. Lorsque je t'en prie. Ah ouais, donc ça, c'est un diesel, c'est toujours bon. Ah. Et moi, la même, je ne vais pas bien en vrai, là, là, donc, je vais dire. Ouais, la voiture, c'est ma femme à tout payer. C'est un mois d'être l'eau. C'est pour ça que ça fonctionne, ils ont un souhait. C'est l'avocat qui parle, en plus je suis fidèle, comme ils disent rapidement. Par contre, il y a un truc qu'ils n'ont pas dit, c'est qu'il y a une fausse prise à un moment donné. Bon, ça, parce que toutes les questions qu'ils m'ont posées et tout ce qu'ils voulaient savoir, c'est pas tant, je veux rien savoir. Hein, c'était sur le point. Quand même. Elle me dit avant, c'est pas des revenus que je dis, mais à chaque fois c'est remis. Hein. La dépêche, elle me dit tout le temps c'est remis. Quoi. Moi je suis conscient parce que j'ai stop de revenus. Hein. 950 euros par mois. C'est tout. Dans 8 heures et 8 tours, enfin 7 ou 800 dans les deux temps. Et ça, donc, ouais, pour acheter une voiture, quoi. Bon, après, là, ça dépend. Hein. Bon, donc, Les gens, ils écoutent pas. Enfin, toi, ils se disent pas. Ça, c'est un fichier d'archi. Mais pour moi, c'est un archi.
Au lieu de le mettre sur YouTube, ça vient de le mettre sur Facebook. Permis de se tromper dans la vie. Avec l'Université de médecine de Harvard, une nouvelle technologie inspirée de la science de l'épigénétique.
Résultat, premier cru la crème corrige les 8 marqueurs de l'âge. Ridéridule, tache et éclat, élasticité et fermeté, hydratation et volume. Donc zéro compromis sur l'efficacité et pas de compromis non plus sur la naturalité et l'éco-responsabilité avec son packaging rechargeable. Nouveau premier cru d'économie, disponible en pharmacie, parapharmacie et sur crudamie.com. Packaging, solution emballage. Plus d'informations sur les engagements produits sur crudamie.com. Saint-Arrive les 13h. Le 13-14, Marion Lou. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce 13-14 sur France Inter. À la une aujourd'hui. Le patron des maisons de retraite Orpea dénonce des accusations infondées suite du scandale concernant le groupe, accusé d'avoir favorisé ses profits et maltraité ses résidents âgés. Le PDG convoqué ce matin par le ministre à l'autonomie dit aussi se réjouir des deux enquêtes qui s'ouvrent concernant l'entreprise, vous l'entendrez. On verra aussi de quel type d'enquête le groupe va faire l'objet. Tout augmente, inflation à 2,9% au mois dernier, l'énergie est largement responsable et ça continue, plus 2% en moyenne pour les péages dès aujourd'hui. Les autoroutes de grande niveau, on n'a pas le choix, et nous on ne peut pas répercuter nos tarifs parce que si on est trop cher, on ne fait plus travailler. Par contre, eux, même s'ils sont trop chers, on descend l'autoroute et il n'y a pas de concurrence. Les prix grimpent, quelles conséquences, notamment pour les travailleurs de la deuxième ligne, éboueurs, agriculteurs, caissières, aux salaires souvent peu élevés, ils attendent toujours qu'on reconnaisse leur rôle lors de la pandémie Covid. On en parle à 13h30 avec notre invitée, l'économiste Christine Hérel, autrice d'un rapport remis au gouvernement sur ces travailleurs essentiels. Le pouvoir d'achat, thème principal de campagne, d'accord, mais le climat dans tout ça. 1400 chercheurs signent une tribune, un appel aux candidats à la présidentielle. L'une des signataires, la géographe Magali Regezza, répond à nos questions dans le journal. Dans le journal encore, Amnesty parle d'apartheid de la part d'Israël à l'encontre des habitants des territoires occupés, mais aussi des Arabes israéliens. Une Marianne plus représentative des Français grâce à l'intelligence artificielle, c'est l'ambition d'un collectif d'artistes. Et puis éclectique, on entendra John Legend et Gabriel Fauvert. Le artistique aux Jeux Olympiques, mais aussi le groupe Paris Combo dans cette une chanson. Le 13-14, vous avez c'est sympa d'avoir de le 13-14. Tapez fort après le scandale Orpea, les mots qui claquent de la ministre déléguée à l'autonomie ce matin, Brigitte Bourguignon, dans la matinale de France Inter. Avant de recevoir le nouveau PDG du groupe des maisons de retraite, sommet de s'expliquer sur la recherche du profit à tout prix au détriment des conditions de vie des pensionnaires âgés. Rendez-vous donc 9h15 au ministère ce matin, à peine 45 minutes d'explication. La ministre dit son dégoût et sa colère suite aux révélations du livre du Fossoyeur. Brigitte Bourguignon confirme ce qu'elle a annoncé sur notre antenne, le lancement de deux enquêtes au sein de l'entreprise. Encore que le mec qui commence à se défendre, hein, on va pas dire n'importe quoi sur tout le monde. Hein. Apparemment, on peut dire n'importe quoi sur les fous. Apparemment, c'est pas un fou qui va se défendre. Hein. Ouais, là, c'est ce que là, on peut pas dire n'importe quoi sur tout le monde. Aujourd'hui, eh ouais, ça arrive. Et les études, alors ça marche. J'ai intérêt, hein. C'est ça qu'il faut aller loin. Ah bah non.
Bon, les arrêter en cours. Déjà, t'es un bon père, donc ça va. Ah, je l'aime bien, moi, ton père. Tu lui envoies le bonjour. Dans nos vidéos, la progression, ça va être la bonne humeur à s'installer, ouais. Peut-être que si on va pas sur des YouTube pour la terre, ça risque de bien se passer après. Et que tout se passe bien. Que vous aimez notre chaîne, que vous nous soutenez. On vient bien des endroits où on n'a pas le droit de parler, donc on a chanté. Donc on a été un peu éprouvé. Je continue un peu à chanter. Malgré les quintox. Donc faut pas y faire attention. Enfin, le silence, c'est pas mal. Donc on allait faire un peu sur le silence. Parce qu'on se présente jamais, hein. On parle jamais de ce que nous. On a voulu faire. Mais ça ne veut pas dire que vous ne comprenez pas. Bon, personne pour des cons. Au contraire, hein. On n'a pas à expliquer trop ce qu'on fait, parce que c'est dedans. C'est des réactions par rapport à des sentiments. Voilà. Non, forcément ce qu'on vit. Hein. Comme les chanteurs, c'est pareil. Hein. Un chanteur comme Coluche, je sais pas moi, Renaud, comme chanteur Renaud, il chantait la rue. On chante un peu ce qu'on pense, quoi, de tout ça. Et nos arrière-plans, nos. Je sais pas moi. C'est le live aujourd'hui enregistré. C'est la première fois que je fais ce genre de choses. Que je vais proposer à mes amis de pouvoir voir, tu vois, finalement. Quelqu'un aura d'un autre image. Quelqu'un sera sur une endroit, aura l'ambiance qu'il propose à ce moment. Aujourd'hui, particulièrement pour les deux et les amis. Pour moi, ma part. Ouais, si on trouve d'autres amis qui veulent faire ce genre de choses, après tout, nous avons des équipes de montage. On est. On ne dit pas le nombre qu'on est, hein, parce que ça nous regarde. On n'est pas toujours parlé, ça se fait. Bon, on ne veut pas non plus tout le temps. On ne va pas dire du mal non plus de la psychiatrie, il en faut. Comme ça, en fait.
n'a pas toléré tout. On n'est pas cannibale, tout ça. Ouais. Pas que, je sais pas. Nous, on n'est pas... on peut être dangereux, hein, si on a la question de l'autre. On ne prône pas l'arrêt des médicaments. Mais la conscience. C'est vrai qu'après le mec qui écoute notre live, là, tout de suite mon live, moi, mon live aujourd'hui, on peut être plusieurs, donc on peut être un et on dit plusieurs, tiens. comme l'autre à WikiLeaks. Ah, qui en est, qui on est des gens. Et on ne laissera pas un souvenir imprévisible, ça fait ça. Dans l'avenir, l'avenir de la chaîne, je ne sais pas. Je me tape moi pour l'avenir de la chaîne, peut-être j'y serai plus à bientôt. Peut-être c'est le dernier live que vous entendez de moi qui m'accessible. Peut-être c'est ma dernière apparition sur HSO, FR, Archo. Pourquoi plusieurs parts? T'as pas deviné pourquoi? Regarde bien. Tu verras. C'est varié. On n'est pas Arte, hein, par contre, ouais. Mais on apprécie Arte, c'est une bonne chose. On n'est pas France Télévisions, mais bon, ils sont pas, ils ont pas de mauvais articles. Hein. Ils sont pas bêtes. Hein. Ils sont pas à prendre la loi. France Info, moi, c'est ma chaîne d'info, la chaîne d'air. Pour moi, bon, c'est celle qui dit moins de bêtises. Les FM Télé, bon, c'est un peu au vif. Hein. Faut les comprendre, quand même. C'est au vif. Quand le truc arrive, bah, forcément, ils peuvent se sortir un peu. Ouais. Je crois que le monde est pas assez élégant et pratique. Si on commence par être compliqué, on va pas finir. Je crois que la rue est sans difficulté là-dessus. Quoi. On n'a jamais demandé aux gilets jaunes de nous défendre, hein, nous, hein, de nous défendre. Pourquoi ils nous défendent? Nous, on s'en sort très bien, nous, handicapés. Regardez-vous, hein. Regardez plutôt les jeunes là qui commencent à bosser, qui ne pensent rien à bosser. Comme ma fille ou mon fils, mon fils ça va. Quand t'as handicapé, presque tout va bien. On se plaint pas, nous. C'est les jeunes qui nous payent la classe. Ensuite, bon, quand on est sorti un peu d'affaires, on est à l'écart. Ça veut dire qu'on ne regarde pas. Quand quelqu'un, un pub, il fait un reportage à la télé, ça veut dire qu'on ne regarde pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à notre monde, à notre société. Ouais, ouais. Comme on dit, tout est relatif. Hein. Donc après, on ne peut pas combler tout le monde. Hein. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir la paix du président si tu n'as pas voulu un jour toi-même aller au pouvoir avant que ça soit un truc de la mairie. Là. Les gens qui mettent le corps plus là, pour être salé à droite. Le président, c'est pas lourd, hein, le pays à gérer. On va pas dire le contraire. Il n'y a pas que le mafia qui t'attend là où on va le mafia. Donc le mafia, j'ai pensé à un moment donné, c'était la médecine. Et après, bon, quand même, j'ai des bons médecins par ici. Je dois expliquer certainement pas. Donc après, j'ai écouté ma localité, plus que d'écouter. Bah, le YouTube ou les gens de Paris ou quoi, l'énervement. C'est le mec qui me portait plainte, j'en avais vu un sur la Dervara. Il voulait me porter plainte parce que c'était fait gazer en franchement bien la gueule. Et t'as qu'à pas avancer comme t'as avancé. Le policier il te dit de rester là. Qu'est-ce qu'il a comme réponse si tu n'écoutes pas? Le gaz. Et il a le droit, hein.
peux l'attaquer en tout de suite. Tu n'auras pas respecté la loi, c'est basé. Et c'est des ordres, hein. C'est pas bon. Comme ils sont pour vous, ils sont pour vous. Alors après, quand j'ai vu ça quand même, je me suis dit qu'est-ce que je peux attendre, hein, bon, pareil, les gilets jaunes. Quand on remarque que le bar à l'escale des scalpiens, ça, qui avait fait lapser sur trois tables, parce que c'était par des affaires à un moment donné. Bon, l'histoire de je ne sais pas trop quoi, mais bon, quand on insulte ta femme, tu n'as pas l'air qui paraît pour ça. Mais le mec, après, j'ai retrouvé en train d'aider les gilets jaunes avec des cafés, il a retrouvé un café gratuit. Alors que pour 3-4 cafés que ma femme n'allait pas payer parce que nous faisait prévenir, on était pauvres, quoi. Le gars a fait une montagne et s'en est emballé de cette montagne. La honte, moi je n'ai pas la honte. Je n'aurais pas ce sentiment-là à sa place. Quoi. Moi je pense que c'est pas moi qui devrais avoir honte de moi. Voilà, tout. Avec cette carotte perruche, hein. Qui draguait ma femme, ça c'est sûr, quoi, ce stéroïde. Hein. Ouais, ça paraît pas courant, en fait. Après, c'est ce qu'on découvre entre femmes, hein, parce qu'on trouvait mieux, nous, les mecs. Mais bon, devant tout le monde, là, il y a ma femme, elle est dedans. Et lui, il y a les salmonelles et tout ça dans ton bar, il y a des microbes. Peu de temps, pas de paf, coronavirus. C'est un truc qui est pas mal parce que moi je sais que j'ai voté Mitterrand quand j'avais 18 ans, 88. Mitterrand est passé. Tous les gens que j'ai, toutes les personnalités politiques que j'ai pu voter, moi, elles sont passées. J'en ai parlé à mon psychiatre, je me suis dit bon, quand même, je vais poser une question. Il m'a dit, bah, parce que vous êtes peut-être partie de la majorité. Là, cette année, j'ai pas envie de voter, ce qui s'est passé, bah, il m'a fait la faute. Moi, quoi, ça s'en termine avec ça. Pas moi, le bon. Surtout quand t'es considéré comme quelqu'un de moyen. C'est peut-être pas citoyen parce que t'as la démence qui rentre en jeu. Pourquoi on peut aller voter nous parce que bon, en fait, comment on peut parler de nous. Il y a personne qui l'a dit ça, on peut parler de nous comment. Tout ce qui peut être démence qui rentre en jeu. Tous ceux qui sont déments ne peuvent pas voter. Bah tiens, bah, alors ça va commencer le film en pleine foi. Et je me suis dit, bon, bah, je ne vais pas aller voter. Parce que le président, bah, il n'y a pas que les emmerdes, les emmerdes. Il y a aussi ce qu'il y a à côté. Ils ont les responsables, c'est lui. On a des curateurs, mais pour certains, ils ont des curateurs avec ça. Et on leur donne le droit de vote. Bon, après, ce live sera lent. Ça va, il me lance deux heures. Ah non, c'est deux heures. C'est pas un peu trop deux heures en bloquer. Je vous ai une question au public, est-ce que vous supportez deux heures? On va peut-être faire une demi-heure de plus que vous. Bon, quoi bon. Le cheveu brun, il connaît Nordal Le Landais depuis 10 ans. Je ne comprends pas comment on en est arrivé là, comment style à la barre. J'ai passé des journées, des soirées entières avec lui, je n'ai jamais rien vu. La présidente me demande si dans la bande de copains, Nordal n'était pas un peu celui qui était resté au bord de la route. Oui, nous, on avait du boulot, une famille, on avançait. Lui, on a sa vie pesée, raconte Fabien, mais Nordal avait une vie sociale, des filles, ses animaux. Il a reçu de l'amour et il en a donné. Je ne comprends pas, répète le témoin. La présidente l'invite à se tourner vers le box et Fabien s'adresse maintenant à son ancien ami. Les gens ont besoin de la vérité. Tu dois dire à ses parents ce que tu as fait à la petite. Dis la vérité, même si c'est difficile. Nordal Le Landais baisse son masque, mais ne réagit pas sur le banc des parties civiles. La mère de Maëlys est en larmes. Tu pensais qu'il va dire un jour la vérité, demande Maître Jakubowicz, l'avocat de Le Landais. Jamais à 100% tranche Fabien. Nordal a aussi la capacité d'être un gros menteur.
Mathilde Vincent avec les moyens techniques de Marc Gardénès pour France Inter. Verdict attendu le 18 février, mandat demandé risque la prison à perpétuité. On a évoqué plusieurs fois sur France Inter ce livre intitulé « Qui a trahi Anne Frank ?» paru le 18 janvier dernier. Enquête qui avance qu'un notaire juif pourrait avoir dénoncé l'adolescente et sa famille en 1944 à Amsterdam, provoquant leur arrestation et leur déportation. Eh bien, l'éditeur néerlandais de cet ouvrage suspend son impression. Bonjour Pierre Benadet. Bonjour. Vous êtes en direct de Bruxelles. Il y aurait trop de doutes autour de cette nouvelle hypothèse? Oui, il manque des preuves tangibles. En fait, c'est la principale critique que soulèvent les conclusions publiées dans la trahison d'Anne Frank. Dès la publication du livre, des doutes avaient été émis aux Pays-Bas, en particulier par le président de la Fondation Anne Frank. Lui, il avait relevé quelques erreurs factuelles. Le reproche principal qui est adressé aux enquêteurs, emmené par l'ancien détective de FBI, Vincent Van Gogh, est d'avoir établi ses conclusions sur des suppositions. Il a lui-même affirmé qu'il s'agissait, je cite, du scénario le plus vraisemblable. L'énorme masse d'éléments analysés grâce à l'intelligence artificielle par l'équipe multidisciplinaire d'enquêteurs est insuffisante pour prouver que la cachette d'Anne Frank a été révélée avec les infos par ce notaire juif, Arnold Vandenberg, qui faisait effectivement partie du conseil juif mis en place par le gouvernement nazi, mais rien ne prouve que ce conseil connaissait effectivement les adresses, et la lettre d'énonciation qui est la pierre angulaire des révélations de Vincent Van Gogh était en fait connue depuis 60 ans et elle avait déjà été mise en doute. Après d'autres doutes émis par la petite bibliothèque, après les accusations d'incitation à l'antisémitisme, l'éditeur néerlandais fait arrêter la réimpression et présente ses excuses. En direct de Bruxelles, le correspondant de France Inter, Pierre Benazet, merci à vous. Revenons en France avec ce sujet bien français, justement. Après Brigitte Bardot, Mireille Mathieu, Inès de la Fressange, Laetitia Casta, la nouvelle Marianne, censée incarner notre pays, aura-t-elle un visage plus divers inventé par l'intelligence artificielle? C'est en tout cas l'idée d'un collectif d'artistes parisiens, Obvious, qui veut casser cette image d'une beauté parfaite. Il appelle toutes les Françaises de plus de 18 ans à envoyer leurs photos, un algorithme fera le reste pour créer le portrait de cette femme qui n'existe pas, Anna Hommel-Cavaler. Brigitte Bardot, Catherine Deneuve ou encore Laetitia Casta, Marianne a souvent pris les traits d'une icône du cinéma ou de la chanson française. Un visage au très parfait et finalement assez éloigné de ce qu'on croise dans la rue. Pierre Fournel est membre fondateur de Bios, un trio parisien qui mêle art et informatique. Aujourd'hui, il appelle dans les années 80, on avait des hommes pour faire les courses. Pour produire une nouvelle histoire. On a un algorithme plein de visages de femmes françaises et à partir de l'algorithme va recréer une personne qui n'existe pas et qui est le symbole de toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Vous avez dégagé un beau sourire, si vous en avez envie. C'est l'impératif posé dans le fond blanc. Aujourd'hui, près de 5000 femmes ont déjà envoyé leur fichier comme Terence, parisienne de 25 ans. Elle travaille dans le marketing et pour sa beauté, elle connaît être naturelle, pas de maquillage et ses cheveux châtains sont lâchés sur les épaules. J'ai trouvé que c'était un projet assez innovant qui mêle technologie et art. En plus, la diversité, la mixité sociale aussi, j'ai hâte de voir le résultat. Toutes les participantes devront choisir entre 6 créations et leur préférée sera dévoilée après les lectures. Vous avez rendez-vous le 1er mai pour découvrir cette nouvelle Marianne. Celle-là ne sera pas estampillée de la figure de Marianne, elle ne sera pas estampillée du tout. D'ailleurs, Facebook abandonne son projet de monnaie numérique, pourtant lancé à grand fracas en 2019. L'association Diem, qui portait l'idée, va se démanteler pour n'avoir pas réussi à convaincre les régulateurs aux États-Unis, explique l'économiste Philippe Tertier. Facebook a sans arrêt été arrêté par l'ensemble des régulateurs mondiaux, en particulier américains, en particulier les banques centrales. Pourquoi ? Parce qu'on a très vite considéré que c'était un danger énorme pour l'ensemble des monnaies mondiales, en particulier pour le dollar, d'avoir une monnaie digitale qui devienne internationale et qui permette à toute personne utilisant Facebook de pouvoir réguler ses achats, quels qu'ils soient. Donc pression extrêmement forte sur Facebook. Recul des grands partenaires, des partenaires énormes qui accompagnaient le projet au départ, hein, notamment les cartes bancaires, Visa, Mastercard, PayPal, c'est-à-dire le géant du paiement par numérique, tous se retirent. Facebook comprend qu'il ne peut aller à l'encontre pour le moment de l'ensemble des grands régulateurs, et notamment américains. Il démantèle le projet. Donc on a eu la crainte énorme qu'il y ait là quelque chose d'extrêmement dangereux pour les États, et notamment pour leur financement, évidemment pour la fiscalité des États. Philippe de Sertion, joint par Laurent Kramer pour France Inter, et ce jour même, l'Inde annonce, elle, le lancement d'une rupie numérique, monnaie soutenue par l'État,
Elle prévoit aussi de taxer à 30% à l'avenir les bénéfices des monnaies virtuelles, plus d'explications sur ces monnaies virtuelles encore parfois mal connues sur notre site franceinter.fr. Des conduites délictuelles gravissimes au FC Barcelone sous la direction de son ancien président, voilà ce que révèle l'audit financier réalisé à la demande du club de football et de sa nouvelle direction. Elle avait porté plainte pour des soupçons de malversation. Le club est fondé par une dette de plus d'un milliard d'euros. La rénovation du stade et les versements aux fournisseurs sont dans le viseur. L'audit doit être transféré du club à l'autorité judiciaire compétente. L'argent ne suffit pas. Le PSG, le plus gros budget de la Ligue 1, fait tranquille bas aujourd'hui. Défait en 8e de finale de la Coupe de France par l'OGC Nice hier. Les Parisiens se sont inclinés au tir au but et sont donc absents de la finale de Coupe de France pour la première fois en 7 ans. Il faudra encore attendre pour les championnats du monde de natation au Japon, reportés une première fois de l'été 2021 à mai 2022. Ils auront finalement lieu en juillet 2023, en cause l'épidémie de Covid et les mesures sanitaires en place au Japon, explique la Fédération internationale de natation. Eux vont bien avoir lieu malgré la pandémie. Les JO de Pékin démarrent dans 3 jours. Et parmi nos étoiles françaises, il y a les patineurs de la danse sur glace, Gabriel Papadakis et Guillaume Cizeron, les quadruples champions du monde et quintuples champions d'Europe espèrent décrocher pour la première fois un titre olympique. Leur arme secrète, Jérôme Val, un choix musical audacieux pour rythmer leur chorégraphie. L'hiver dernier, les deux Français installés à Montréal au Québec ont eu un coup de cœur pour une danse inconnue, le wop. Une danse urbaine née dans les années 60. Allez, wop. On avait jamais entendu parler il y a un an et qu'on a appris en quelques mois. On ne sait jamais vraiment si on va être capable de s'approprier et de maîtriser cette danse. Changement d'époque pour le programme. Mais il y a aussi l'élégie de Gabriel Fauré opposée en 1880. Il faut des choix forts pour séduire, le jury assure Gabriel Papadakis. C'est quelque chose qui fait partie de ma plaisir de regarder ce qui fait dans les différentes formes d'art dans le monde en parlant aux gens sur internet des choses et puis on est allé un peu avant. L'organe en compétition sur ces musiques avec en tête la conquête de l'or olympique. Et puis on parle de musique, le festival Solidays dévoile un peu plus sa programmation pour le mois de juin prochain. Eddie de Préto et Gaël Faye sont dans l'équipe, ils rejoignent Aurel San, Justice et les Black Eyed Peas pour la première édition en 3 ans du festival qui finance l'association Solidarité Sida Covid Oblige. Ah, il y a faim. Ici, là. Eh ouais. Bon, ben alors, le live est terminé. Hein. Ça a été deux heures avec moi. Avec moi. Bonjour, Icard. Quelques voix de près. Donc, nous remercions celui qui va se taper le montage. Ça va peut-être être... comment il s'appelle? Enfin, je sais pas qui je vais le donner. Hein. Ce live, vous verrez que le 2 février. Il faut quand même prendre le temps de le monter. Et on embrasse tout le monde. Parce qu'on n'est pas des méchants. Salut!